Que tu sois passé 4 fois à la télévision ou jamais, t'es toujours face à des choix. Est-ce que tu dois prendre un sens interdit? Est-ce que tu dois passer au rouge? Est-ce que tu dois vider une bouteille d'alcool? Est-ce que tu dois te battre avec un mec pour un feu rouge? On est quand même dans l'univers humain classique, je fais ou je fais pas. On a tous été confrontés à ça à un moment. T'as quelqu'un qui te propose un truc ou de faire quelque chose qui te semble pas bien, quoi. La plupart des gens disent non, moi je veux pas. Et puis il y en a qui disent oui. Mais quand ils disent oui, on leur dit ah oui mais non, c'est l'envers du décor qui a pris la main. Ben non, c'est toi qui as dit oui. Le début du mec qui est donc addict, accro, quelqu'un qui te propose un truc. On est en 2023. La plupart d'entre nous savent qu'il y a des produits. Si tu les prends, tu risques d'avoir envie à nouveau d'en prendre. Il y a des médicaments, il y a des drogues, il y a des choses. Si jamais tu prends, après c'est la substance qui prend le dessus sur toi. On est tous conscients de ça. La plupart des gens disent non. Mais de toute façon, on est dans la responsabilité. C'est le truc qu'on a gommé dans les années 80-90. C'est la responsabilité. Chacun fait ce qui lui passe par la tête et c'est pas grave. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.